une chose, c'est qu'on ne fera pas de Poum. Une cheville au moins, une. Là, ça sent l'air tendu. Ouais. C'est bien parce qu'elle est légèrement. Ah 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 merci. En froid, ouais, si tu fais 15 minutes, c'est déjà beau. Hein. Surtout dans le champ là. Ouais. De rien, regarde, la suspecte en statique, on n'est pas content. Regarde là comme il se comporte bien. Ouais, il faut s'habituer, hein. Ça se frife, ça. Ça se frife, ça. Regarde la suspecte, comment elle bosse bien, ça. Ah ouais. C'est fini là. Pas trop facile. Mais c'est quasiment les mêmes pneus que le Super Baja Arena, hein. Ouais, mais c'est toute la même gamme. C'est que Rowan face au filet, faut pas chercher. Hein. Ah ouais, c'est Rowan qui... Oh, waouh, wow. Oh, j'ai gagné. Ah, t'as pas encore goûté la catastrophe, hein? Ah, moi je pensais que c'était là pour la catastrophe. Ah, ça va. Ben après, oui, si la catastrophe tu l'as pas touché, c'est nickel pour eux. J'ai touché un petit vent. Tu vois, on est même vitesse, hein. Ça c'est à chaque fois joli. Après la différence, tu vois, c'est que toi avec le 4x4, t'arrives à passer la patate. Ouais, joli, le slide sur le grillage. Ça c'est tout beau. Oh, deux times. Je crois qu'il a un problème de punch au freinage. C'est pas du punch ou... Non, ouais. Quel coup. Ah non, mais non. Ça c'était beau. Pour l'instant je roule avec l'expo à fond et tout. On réglera ça un petit peu plus tard. L'expo à fond ou la course? Ah oui. Déjà. Arrête. J'adore. Avec le 20 kg qui domine le moteur, est trop cher. Tout le moteur est enveloppé dans un radiateur rectangle et plus un ventilo au cul. Ah oui, c'est au cul. On peut le mettre toi-même. Je vais rajouter un ventilo au cul. C'est un peu mesquin. C'est un peu mesquin, non? Comme j'ai tout démonté, j'ai mis direct. C'est quoi, c'est un 50 par 50? Non, 45. 45. Je me dis, c'est plus rien. 45-45. Bon, attends. Il m'en reste juste un ou deux. Tu sens que les cerveaux. Je file une sorte de corne avec une seule dentition. J'ai mis les cerveaux toutes là, les Car Power. Ah. Car Power, ça va, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est bon pour les sources et tout. Mais c'est quoi alors? Essayer les X ça va pas du tout.
Donc soit tu organises tout de suite tes cornes à toi, soit tu es marron. Les cornes en longueur ou en dentition? En dentition. La longueur c'est pareil, oui, les cornes standards, t'as vu de cerveau à chacune. Ouais. Ils sont méga courts. Donc, bon après ça va parce que t'as radé. Ouais. Parce qu'en fait là, la butée de direction intervient à 50%. J'ai essayé parce que j'ai tourné, j'ai augmenté, j'ai dit merde, ça tourne pas plus. Donc j'ai diminué et les cerveaux ont commencé à lâcher à 50%. Ah putain. Donc la direction hyper. Si tu mets les cornes courtes à 100%, c'est bien sûr. Par contre, fais gaffe avec ta rotule. La rotule, c'est du M4. Tu vois, donc, tu peux pas mettre la corde que tu veux. Ouais. Et l'autre truc con, c'est la boîte radio. C'est des connecteurs mal. Donc, t'as les connecteurs qui arrivent sur la boîte radio. Ah, il faut obligatoirement. Au cerveau. Il faut mettre un Y au cerveau. Donc, tu vois un peu les câbles qui te restent dans la voiture. Et de l'autre côté, tu mets des mal. Ah oui, c'est ça. De la boîte. Alors, j'ai sorti le truc, ouais, j'ai passé les câbles. Et j'ai les câbles qui sont dedans. Ouais. J'ai les câbles dans la boîte radio là. C'est propre hein. Tout mis dedans. Ah mais t'as un ski de. Il y a un ski dessus en plus. Ouais. Oh, putain. Je vais mettre en roue dans le ski. Loupé. C'est pas bon hein. C'est bien pensé. Je vais mettre ça passe devant la caméra. Urgence, urgence. L'ambulance est pas loin. Ouais, ouais c'est ça. D'abord on vide la boîte. On laisse tout seul se partir pour casser vite. Ah dis donc. On est penché en avant dans la voiture. Ça que tu as l'air. Ah me fait voler pour les gars, ça va. Oh, j'adore. Ah mais c'est beau comme. Perte radio, poum. Je reviens juste au. Ah ouais. Ça m'a sauté, mais une fois. En fait, tu m'emballes d'une bosse à l'autre. En fait, c'est les gros lièvres, comment ils s'appellent là? Les kangourous. Les kangourous. Non, il y a des gros lièvres. Les chevreuils. Non, les lièvres. Ah, les lièvres. Les lièvres, des gros lièvres. Ils ont des gros lièvres. Ils sont immenses en fait. Ah oui, des gros des trucs de géants là. Il y a un retour du monde derrière. Gros lièvres, marqué. Gros truc. Il a déguisé un veau, il a mis comme des oreilles. Oh là là, celui-là il passe la vitesse. Oh! C'est un euro motrice. SMZ, il a mis les pneus à clous. Mais franchement, peut-être avec une là. Dans l'air, ça va être bien. Là, c'est quoi? C'est genre pionnier, c'est ça hein, hein? C'est genre des pionniers, hein, c'est des. Ouais, c'est ça. Des crampons. Parce que même ProLine, hein, franchement, je suis sûr que Kyle et ProLine, c'est les mêmes. Là-bas. Tu crois? Ouais. Les 1/5 là, c'est exactement la même qualité au toucher. Ouais, ils sont durs. Hein. Ouais, les arrières, ils sont super fermes. Mais c'est vraiment comme les pros là. Ah ouais. Là toi t'as les bas de la mousse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est... Ah ouais, non, t'as raison, c'est les mêmes. T'as vu? Et devant, il y a, par contre, c'est mou comme les bas là justement. Ah oh. Ouais, ah oh, putain la vache, ouais. Ils sont quand même un peu bossés dessus quoi. Ouais. Et ça, c'est une boîte toute seule ça? C'est une boîte qui est toute seule ça? Ou elle dépend d'un groupe? J'ai réussi à mettre la gaz. Ben au départ quand j'ai vu c'était fil de racine. Ah ouais, ouais. Ben là par contre c'est plus chez c'est du. Ouais. Même si rallye c'est UFRT.
Je pense que c'est un mec qui est parti de chez lui. Après, c'est original la construction, mais il y a encore quelques petites erreurs. Hein. Bon, finalement, ça. Finalement, ça, ça se comporte bien quand même. L'erreur principale, c'est là. Quand la suspension s'enfonce, regarde ce ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre. C'est ça, regarde, et regarde, il est déjà fendu. Oh. Tu sais, pendant l'unboxing, j'ai appuyé dessus à fond pour voir le déboîtement, tu sais, où ça coinçait, ça a fait clac. Bah, c'était ça. Oui, mais on a envoyé un autre, hein, gratos. Ah, et c'est ça, en fait, tu vois, là, il est bloqué, alors qu'il n'est pas par terre. Ah, donc en fait, ça force la boule. C'est ça. Et bien, la suspension, tu vois, ça t'appuie sur, comme elle est bizarre. T'as vu? Au bistec! Non! Attends, t'as vu, en roulant, il se comportait bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais grâce au. Comme t'as le corps du mur, quoi. C'est quand même impressionnant, hein. Mais même ça, regarde, ça. Mais regarde, c'est bizarre, pourquoi ça. Ouais, pourquoi c'est pas libre? Ça, ça touche la cage, et derrière. Pour ça, je vais tout m'en occuper. Tu es tout très mélissé, hein. Ah, bah oui, mais. C'est dommage. Mais parce qu'au départ, il n'y avait pas trop une cage, en fait. Ah bon? Non, au départ, c'est un. Juste la coque? Ah bon? Mais tu tapais trop facilement que l'avant. Non, tu crois? Les 2 kilos de la cage, on a rempli. J'en ai pas besoin. 2 kilos de la cage? Après, par contre, t'es obligé de le noyer, toi. Mais il est plus petit qu'un Marder, non? Mais oui! Oh! Ça sera peut-être rigolo avec des roupies, toi. C'est quoi, c'est du 24? Hein? C'est du 24? Oh oh oh! Ouais, ça va être chaud en piste. Oh! Ah, tu modifies le circuit. Ah, c'est ça, je pousse un peu les murs. En fait, il faut être vraiment là, c'est 100% de gaz. Là, tu le pilotes bien, et dès que tu arraches les gaz, c'est mort. C'est pour ça que du coup, les batteries, elles durent quand même un petit peu. Ouais, parce que tu peux pas tiper dessus. Mais je défends bien. Ce qui est chouette aussi, c'est ça, regarde, que je pars doucement. Ils nous ont rassurés. Et là, je vais partir tout dans le temps. Ouais. Pas de cobine, rien. Non, mais moi, ce qui est impressionnant, c'est le silence. Ah ouais, mais ça, un pignon conique. Hein. C'est un truc de malade. C'est un pignon conique d'attaque et là, dans la boîte, c'est du spiral. Ah ouais? La couronne de diff est c'est incroyable. On dirait que c'est du tout plastique. C'est et encore. C'est plate, mais hélicoïdale. Bah, en même temps, génial, la FG, t'as combien de pignons? 1, 2, 3, t'as 3 pignons qui bougent, là t'en as. Non, parce qu'il y a une réduction dedans. Ah bon? Oui, t'as le pignon moteur, donc c'est un couple conique. Oui. Qui sort sur un contre-couple conique. Ah oui, après ensuite, ça va y a dans un disque spiral, un petit. Un pignon plat, spiral, mais c'est énorme. Hein, parce que la couronne doit faire 20. Et le petit pignon doit faire 10 ou 11. Des multiplications, et après, hein. Tu passes sur une couronne de diff hélicoïdale qui doit avoir 40, 50, 60 dedans. J'ai pas compté, mais. Ah ouais? La vidéo, elle arrive du démontage. Ah oui, c'est vrai, moi j'en parle, mais t'as pas vu la vidéo. J'ai failli avoir le moineau. J'attendais pas, c'est la vidéo, mais j'arrive. Bah, mais moi je peux la voir la vidéo, hein. Mais justement. Mais j'ai pas tout regardé encore. Les gerbes. Passons par time. Et 3 petits cochons. Ah, il t'a fait 200 papiers. Je pouvais changer les pneus, tu vois, ouais. Mais comme j'ai les Badlands sur l'autre, j'ai pris les pionnières là, comme ça je peux intervertir en fait. C'est en 24, hein? Ouais, c'est pas mal. Quels sont les Badlands? Ouais. C'était qui? C'était un peu les deux. Je crois. On est qu'à 3, hein. De toute façon, oui, c'est vrai qu'on est que 3. Oh! Sans se toucher! Ça fait des coups, hein! Tony, il a plutôt baissé, il est pété, il a pas son autre roue. Tu m'étonnes, j'ai besoin de carreau à casser un bande de malade! Bah, bon. J'ai dit, attends, ça, le best-of, c'était cool! J'ai dit, faut que t'ailles voir la vidéo justement où on fait toute la nuit là, où on se bute dans le champ, dans la butte là. Oh, c'est là. J'ai réglé avec encore ici.
C'est marrant, personne veut me prendre de ça. Non, mais on veut pas, nous. Bon, là, on a un peu salopé, hein. On dirait que c'est la faute du gros leurre. C'est pas très vrai, c'est ça. Ouais, en plus. Ouais, il y a pas de carrosse, il faut faire, hein. Regarde, il y a de la peinture. Bah, tu veux pas faire une verte? Non, mais je voulais faire une jaune avec les autocollants Jurassic Park. Ah oui? Avec Simon Eiffel. Oui, c'est vrai. Sinon, en blanc avec la petite mort, tu sais, qui fait un fuck. Ouais, ça c'est beau, ça. Ah, ça c'est beau. Oui, ça va comme tout, hein. Ouais. Regardez, hein. Je pense que le Baja, il est moins vivant que ça. Ouais, bon après tu vois, tu fais que ça avec. Ouais, on va t'amuser à le bâcher et faire des sauts là. Il y a encore, bon celui-là peut-être tu là, non? Non, tu as des vacances suspension, t'as vu, je tape sur la photo. Mais c'est la cage qui tape. Non, mais pas, là il y a une cage qui pose. Regarde, quand je descends trop tard, la cage qui pose. Ah oui. T'as vu déjà? Ah, déjà il tape. Allez, 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 on y était, merde. Mais j'ai acheté des. Ouh! 24 siècles, l'élargisseur, je t'en prends derrière, tu sais, pour le faire plus large. Ouais. Ceux ce que j'avais, ouais. Plus large? Oui, pour élargir un petit peu. Oh, je trouve qu'il est moche. Direct sur le jardin, alors qu'avec ça, c'est plus large. Là, tu peux faire un ratrod de malade. Hein. Ouais, alors, mais tu vois. Là, tu fais un ratrod de. Mais non, regarde, il prend du lait. Ah oui, c'est pendulaire. Là, tu reprends, tu sais, là. Regarde ces idiots. Ça frotte, du coup là, ça le bloque pourquoi. Là tu reprends le même carreau que t'avais sur la le Kyosho XL, ouais, tu sais, le Marder là, un cinquième. Ouais, c'est la bonne taille. Elle serait magnifique. En haut de là, ouais. Ouais, en haut de là, c'est... Non mais je pense qu'elle arrive un tout petit peu derrière. Tu mets les MFT Rocket derrière. Et tu mets des Baja devant là. Elle arrive un petit peu, ça va bien. C'est bien parce que s'il y en a un qui me suit trop purée, tu passes des choses. Ça va pas. Oh, oh merde.